Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulation. C'est le deuxième procès. Enfin, c'est l'avant-dernière partie, je pense, de l'épisode 2. J'avance tellement pas dans les jeux que je fais, c'est incroyable. Donc, la dernière fois, ça remonte à un mois, c'est énorme. J'ai récupéré des preuves. Là, on va s'attaquer à... Là, on s'était foutu dans la merde parce qu'on a prouvé que non seulement Monsieur le Plaisir n'était pas en train de voler aux galeries de France, mais à l'immeuble du commissariat pour tuer son ancien directeur. Et c'est la joie. Donc, on va y aller de suite. C'est parti. Et bien sûr, on retrouve Godot avec le café. D'ailleurs, je n'ai pas de café avec moi parce qu'on est le matin, il est 11h et boire du café le matin, c'est pas super recommandé. Voilà. Bah, il est trop jeune pour aller en prison, je pense. À la guerre. La vie, c'est la guerre. Le café, c'est l'étendard blanc de la victoire. Évidemment, la métaphore était simple. Le café, c'est le témoin. Et la voix sensuelle revient. Je ne bois jamais plus de 17 tasses de café pendant un procès. Ce qui n'est pas très recommandé non plus. Mais la première est toujours la meilleure. Un peu comme cette fille que vous rencontrez le soir. Sous une nuit rempli d'étoiles qui reflète sa beauté intérieure. Vous vous approchez d'elle, lui offrez un dernier verre avant de parler, de la séduire et de l'embrasser tendrement. Soit nous entendrons le témoignage de l'accusé, monsieur Henri Duplaisir. Toute la question se pose. D'ailleurs, ce petit moment de séduction intense avec une voix suave était totalement gratuit. Et pour vous, mesdames, évidemment. Oh, vous avez du cran, monsieur Light. Il y a un W et un R, sale connard. Allons-y. Allez, vas-y, défavorise-moi. Ça va être cool. Problème réglé. Allez, au revoir. Hein, c'était cool. C'était rapide. Hein, 5 minutes. Bon, bah n'hésitez pas à laisser un gros pouce sur la vidéo. Évidemment, c'est faux. Ah oui, monsieur Buller, ça sonne tellement Nicky Larson. On lui a fait bobo. Je me demande s'il y a un jeu Nicky Larson sur DS qui est sorti. Parce que ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que ce jeu remonte. Enfin, l'anime et le manga remontent à une bonne dizaine d'années, voire si ce n'est plus.
C'est tout. C'est tout. Mais c'est nul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah. J'imagine bien le fait qu'il y a un barman qui se trouve juste de l'autre côté qui lui envoie un café. Mais le barman, tu le vois pas parce qu'il est caché. Ce serait classe quand même. Ça ajouterait un effet de style. Un bonus de charisme pour le procès. Je suis sûr que ce serait trop classe. Alors c'est le combat, donc. Pourquoi? Voilà. Moi je ne peux que attaquer. 1 h du matin. Eh oui, souvenons-nous. La montre, évidemment, que tu n'as pas, évidemment. Trop tard pour prendre un café, ça dépend. Lettre de chantage. Tout cela est très intéressant. Eh oui. Ah bon? Parce que quand il disait de voler un truc, c'était fallait pas te déplacer. Non? Non, évidemment. Hein. Ouais, mais oui, ça veut dire que tu dois te déplacer. On est d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'insiste. Et qu'y avait-il dans la lettre en question? 50 000 boules. Évidemment. Ah bon? Ouais. Je doute un petit peu. Cette phrase, si elle est ajoutée au process, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, du coup, là, je peux rien foutre. La petite musique comme ça détend. J'aime bien. D'ailleurs, je suis en train de... Alors là, ça va être l'instant, je raconte ma vie, je ne regarde pas le jeu. Depuis que j'ai acheté un trépied et que j'ai une caméra d'assez bonne qualité, parce qu'il faut l'avouer, j'hésite maintenant à présenter, même si j'en ai pas pas super envie, de faire comme tout le monde, évidemment, les vidéos face cam, tu vois, pour les réactions et tout. Le truc que je fais quasiment une fois tous les 3 mois, avec mon super papier peint derrière. Ah, c'est intéressant ça. Donc je me disais, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Parce que moi je m'en fous, j'en sais rien. Ah. Ok, non. Ouais. On va quand même attaquer sur cette phrase. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Ouais, je doute un petit peu.
Je doute. Ouais. C'est ça. Tu l'as avoué. Non, 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 non. Bah techniquement, si. C'est l'instant réflexion. Attention. Oui, je pense que oui. Bah des réponses, je sais pas. C'était le cours d'histoire de Godot. C'est plus de la physique, mais bon. Laisse en soi cette phrase. Le café. Mais putain, c'est ça, bordel de nom. Je sais pas, même toi, t'aurais pu y penser, évidemment. C'est pas ça, évidemment, si. Évidemment, je le savais. Évidemment. N'est-ce pas, hein? Ce n'était pas du tout du pif. Non, j'arrive pas à manger sur cette musique nulle. Elle est tout pour toi, oui, on sait, on s'en fout. Casse-toi, je m'en fous. T'as vu? Je te fais tout le travail. Du coup, tu me passes un café à la fin du procès, s'il te plaît. Ça voudrait dire que l'épouse est coupable. C'est toujours une révélation. Flashback. Oh mon dieu, cette animation incroyable sur cette photo noir et blanc. Putain, ils ont mis trop d'effets. Trop de budget. Je prends ça comme une menace. Attention à ce que tu dis. Ah bah tu vois. Bah qu'on est dans la merde. Voilà, 20 minutes. Oh, tranquille. Cet homme de famille, est-ce qu'il aurait un gosse? J'ai loupé un truc? Ah, deuxième témoignage. Alors vas-y, explique-nous. Je suis impatient de découvrir comment tu t'en es sorti. Alors. Oh, une ombre mystérieuse. Une ombre mystérieuse, bien sûr, qui ressemble étrangement à ce magnifique détective. Et puis, plus rien. Puller a été étendu là, décédé. Dans sa chiasse, évidemment. Attends, j'ai pas attaqué, calme-toi. Allons-y. C'est right, connard. Est-ce que tu vas comprendre? Vas-y, file, avec deux sucres, s'il te plaît. Je veux du sucre dans mon café, s'il te plaît. Qu'était cette ombre mystérieuse? C'est une question. Ouais.
Bah, est-ce qu'il était décédé? Est-ce qu'il était en vie? Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il volait? J'en pense que tu essaies de contourner ma question. Un peu étourdi, bah putain. Un coup sur le front avec qui? De quoi? De où? De comment? Surtout. Oui, c'est incroyable. Mais enfin, ça, c'est un film, évidemment. Ah non, c'est un costume. Tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. On est d'accord, il l'a pas dit. Bah non. Jamais. Jamais. Putain, même Godot le savait pas. Pour vous dire, même lui ne le savait pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a des clients incompétents. Connard, voilà. Déjà 6, j'arrête de compter. Ah, ça veut dire qu'elle est froide. Faut pas boire quand le café est froid, c'est un conseil, gars. Ah bah, oui, il faut absolument remettre ceci dans le témoignage. Ah, je veux. Mais qu'est-ce que tu fais comme question, mec? Pourquoi? Mon dieu, quelle révélation! Ah ouais, tiens. Ah, c'est... ah oui. Pardon? Comment ça, ça a pris plus longtemps? Quoi? De quoi tu parles? Ah, le coffre de monsieur, le coffre pour cacher Buller. Excuse-moi, je regarde un truc. J'en ai pour deux secondes. Merde, je n'ai pas... Ah, je n'ai pas pris la photo. Je suis déçu. Moi, j'ai entendu, j'ai caché une victime dans un coffre que j'ai tué, hein. Je suis témoin. Et avocat. Double crédibilité. Et pourquoi? Question. Comment lance-t-on son slip sale dans la machine à laver? Réponse est simple. Glou-glou. Après l'avoir enlevé quand vous avez ramené cette petite chez vous. Après l'avoir emmené dans une nuit de plaisir infini. Lui avoir montré tout votre talent, de montrer que les autres hommes d'avant n'étaient pas assez compétents pour la satisfaire. C'était le deuxième passage très sensuel, juste pour le veau. Moi, c'est ce que je comprends, en fait. Ah, vous n'êtes pas aussi idiot que vous en avez l'air.
Ah non, moi je trouve qu'il y a plus tordu comme métaphore, bah, tu vois. Pas du tout. Je jure sur la vie de mon assistante. Parce que t'es vieux. Encore? Mais c'est tout. Eh mais arrêtez! Oh, calmez-vous! Je vais parler de ça. Ah non. Je croyais que t'étais sonné. En 10 minutes. Pardon, excusez-moi, je vérifie juste une chose. Excusez-moi, voilà, bonjour. LOL! Trop drôle! Waouh! Bravo Godot! Oui! Toi aussi tu trouves qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord! Ouais, d'accord, il y a un problème. Ah, allez, allez, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Allez, plus vite la conversation. Présenter la preuve. Alors attention, c'est soit le registre de l'alarme, soit l'alarme. C'était le registre de l'alarme. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez. J'ai ici, j'ai envie de dire. Regarde bien ce registre. Regarde-le bien. Regarde bien l'heure. Et le bouton. Le bouton, c'est important. Ah, et voilà une musique plus appropriée. Objection. Comment ça, tu objectionnes? Non? Objection. Pas du tout? Ha! Connerie! Connerie, fabulation et autres choses inutiles, mon cher. Objection. Oh mon dieu, une chaîne de trois objections, il tape du poing! Une coïncidence parce que ce connard n'était pas là, il était de service, mais on s'en fout. Une quatrième objection. Est-ce que tu faiblis? J'objectionne encore une fois, ça fait 5 objections, je viens de faire un combo. Et oui. Allez, bois pas ton café maintenant. Vas-y, écoute-moi. Je vais tout expliquer de A à Z. Ouais. Comme une merde, ouais, tu s'es évanoui. Que je veux en venir simplement, il s'évanouit. Voilà, quand l'alarme a été sonnée. Ce qui me paraît possible, mais avec une probabilité assez faible.
Et c'est là que ce bouton et ce magnifique son de chat Facebook arrive. Du coup, je reviens. Dès que la musique se calme. Bien sûr, je ne suis pas sponsor par Facebook, hein, c'est parce que j'ai oublié de fermer ma fenêtre. Vas-y, dis-le-moi. Tu cherches, tu veux qu'on se batte, tu veux qu'on se fight. Mon cul, c'est faux. J'objectionne. Si je le pouvais, évidemment. Bon, par contre, je vais faire pause. Donc attention. Voilà. Voilà, normalement le bruit, j'ai fermé mon chat Facebook. Je suis désolé de ce bruit dégueulasse. Alors ensuite donc, oui. Oui donc, j'ai de quoi le prouver. Ouais. Tu vas voir, en fait c'est tout con. Alors attends, je vais le trouver, c'est super chiant. Voilà. C'était le bouton. Et je dis vraisemblablement, attention, il y a trop de syllabes dans ce mot, ça veut dire que je suis sérieux. Et ben non en fait. Du coup réfléchis. C'est toi qui dois réfléchir. Esbla, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu recoches ton café. Et ouais, mon gars. Bien sûr, tu as cru. Y a pas d'empreinte. Donc il avait des gants. Et ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on se fight? Évident, c'est dans ton cul. Incroyable. Je dirais bien deux ou trois. Après, je ne sais pas. Une très bonne question. Réfléchissons à cette question ensemble. Ça, c'était ma main dans le micro, c'est dégueulasse. Non, je remets pas cette alarme parce qu'elle me fait mal aux oreilles. Évidemment. Eh bien, la réponse était extrêmement simple. Eh bien, en fait, la réponse est toute bête. Enfin, tu vois, il voulait alerter la sécurité. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si l'agent accourait, s'il y avait un agent, il aurait vu masque de masque. Il l'aurait vu avec le corps gisant, le mucibulaire. Il aurait fait donc le rapprochement débile, sans preuve ni rien, mais seulement avec son visuel, tu vois, que masque de masque aurait tué Monsieur Boulière. C'est incroyable, Fred. Et oui. Et oui. Ça servait à rien, mais oui. C'est ton combien d'yens de café? J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais non, mais c'est là, tu vois, que tout le mind game de l'agresseur entre en jeu.
et une troisième personne. Et c'est cette troisième personne avec une ombre qui n'est pas du tout reconnaissable, vois-tu, qui était là aussi. Pendant 2 secondes, j'ai cru que l'émulateur buguait. Et ça m'aurait fait chier, je vous l'avoue. Et donc là, tu vois, mon esprit développé incroyable, qui n'a pas du tout reconnu cette ombre incroyable pendant que tu recraches ton café, évidemment, va te dire qui était là. Tu vois, c'est le mind game incroyable de cet agresseur était incroyable. Il n'y a pas de mots. Mais c'était donc évident. Mais oui. Mais non. Mais en fait, tu vois, c'est là que tout le. Bon, je leur dis encore, mais tout était calculé. Tu vois. Ça, par contre, c'était un bruit dans ma maison qui est dégueulasse aussi. C'est incroyable. Ce micro détecte tout. Eh bien, la réponse était ce badge d'avocat. Évidemment, c'est faux. Voilà, on est d'accord. Souviens-toi d'hier, avec cette superbe bague, lorsqu'il était délicieux. Et oui. Et oui. Comme ce que je cherchais à faire monsieur Henri du plaisir d'ailleurs. Quoi ? C'est l'heure de la réflexion. Mais tiens, j'avais oublié les apparitions. C'était le flash. Je tiens à faire une dédicace aux épileptiques. Non, c'est vrai. Cool. D'accord. Vas-y.
Ah, ça va chier des bulles. Pendant ce temps, dans l'autre cour. Waouh! Ce swap color de génie! Et oui, parce qu'en fait. C'est un meurtrier! Eh oui! Mon dieu, quel cliffhanger de ouf, gudin! Voilà, donc après. Alors que tu ne mangeais. Bon, j'ai plein de choses. Enfin, je viens de dire. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. C'est génial, ma vie est super. Tous les bruits extérieurs, le chat Facebook, les bruits de la maison, tout ça, c'est génial. Mais vous voyez quand même ce que vit un vrai youtubeur lorsqu'il a des petites interventions comme ça. Il les cache, mais moi, je les laisse jusqu'au bout pour vous prouver la véracité et la réalité de tout ce qu'on a comme emmerde. C'est incroyable, vous ne verrez jamais aucune autre personne faire ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de dernier épisode de Felix Press Ace Attorney Chosen Tribulation épisode 2. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, c'est super important. Si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder les autres vidéos que je propose, notamment le Neverwinter Nights, il y a du Golden Sun, il y a les deux autres volets de Ace Attorney, c'est trop cool. Je vous invite à commenter la vidéo sur votre expérience sur ce jeu, sur ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Le YouTube est là pour ça, l'espace commentaire y est dédié. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un like et de faire votre vie. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.